les EPR qu'on construit aujourd'hui, c'est 110 euros du mégawatt-heure. Pour de l'éolien offshore, le prix est aux alentours de 60-65 euros le mégawatt-heure, c'est-à-dire quasiment deux fois moins cher. Et la tendance est très nette, que ce soit en solaire, que ce soit en éolien, les prix n'arrêtent pas de diminuer, alors que... Il y a 7 ans, le 11 mars 2011, à 14h46, a eu lieu au nord-est du Japon un grand séisme et tsunami qui ont provoqué la catastrophe nucléaire à la centrale Fukushima Daiichi. 今から7年前、2011年3月11日、14時46分、日本東北地方に発生した大きな地震と津波は、福島第一原子力発電所で原子力災害を引き起こしました。
un message d'une habitante et militante de Fukushima, Noiko Muto. En cette date d'anniversaire, je voudrais d'abord remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui, depuis 7 ans, partout dans le monde, continuent de se soucier des victimes de l'accident de Fukushima. Aujourd'hui, à Fukushima, résonne de tous côtés comme autant de leitmotifs, les mots d'ordre, reconstruction, retour ou promotion de la santé. En prévision des Jeux Olympiques de Tokyo dans 2 ans, un budget colossal est investi dans la région, en particulier là où les dégâts ont été les plus considérables. Sous couvert de promouvoir des projets innovants pour la côte, on construit des établissements de recherche sur les techniques de démantèlement des réacteurs à l'aide de robots spécialisés, mais aussi un parc éolien et solaire, une centrale de biomasse. Quant à la commune de Futama, où se trouve la centrale de Fukushima Daiichi, il a été décidé d'y bâtir de nouveaux établissements, entre autres une base d'archives conçue pour accueillir en voyage scolaire des lycéens venus de tout le pays. Les autorités de Fukushima envisagent le retour de tous les réfugiés dans leur commune d'origine avant 2020. Ainsi, le long de la côte, la ligne ferroviaire Joban sera bientôt entièrement rouverte. Aucune mesure de protection contre l'irradiation n'est prévue après le retour. Les seuils d'exposition à la radioactivité ont même été relevés. En outre, une fois levées les directives d'évacuation, les indemnités ainsi que la gratuité des logements servant de refuge sont supprimées, même pour ceux qui ne souhaitent plus retourner dans leur commune d'origine. Ces personnes ne se heurtent donc à des situations très difficiles. Certaines, acculées, acceptent de revenir chez elles, d'autres en sont réduites à devenir des SDF et on observe même une recrudescence des suicides. Dans le pire des cas, les familles qui refusent de quitter leurs habitations provisoires sont poursuivies en justice. Sur le site de la centrale accidentée, de graves difficultés perdurent. Plus de 800 cuves contenant 1000 tonnes d'eau contaminée au tritium y sont accumulées. Le président de la Commission de réglementation de l'énergie nucléaire soutient que la seule solution est de larguer ces effluents dans l'océan. Et il multiplie les visites aux collectivités locales concernées afin d'obtenir leur accord. Originaire de Fukushima, j'ai vu la mer pour la première fois de ma vie à l'âge de 4 ans sur la côte d'Iwaki. J'en garde encore aujourd'hui un souvenir émerveillé. À l'époque, cette partie de l'océan était considérée comme l'une des 3 plus importantes zones de pêche du monde. Depuis l'accident de Fukushima, d'énormes quantités de substances radioactives se sont répandues dans la mer. Que l'organisme japonais chargé de la sécurité nucléaire prenne l'initiative d'y répandre du tritium qui a une valeur de 40 fois la limite réglementée annuelle, voilà qui est simplement inadmissible et criminel. Actuellement, les pêcheurs de Fukushima sont les premiers à s'opposer désespérément à cette solution irresponsable. Nous vous demandons de joindre votre voix à la leur. Nous avons besoin d'une protestation internationale. Pour ce qui est des seuls examens médicaux pratiqués auprès des habitants de Fukushima depuis 2011, ceux de la thyroïde, les résultats sont alarmants, puisque le nombre de cancers diagnostiqués s'élève à 193 sur 300 000 enfants âgés de moins de 18 ans au moment de l'accident. La commission d'experts s'obstine néanmoins à prétendre qu'il est difficile d'affirmer qu'il s'agit de conséquences de l'accident nucléaire. Or, on a découvert l'année dernière l'existence d'autres cas de cancer de la thyroïde non répertoriés dans les résultats publiés, exclus des cas suspects.
On constate donc que les informations communiquées par les autorités restent incomplètes. Et ce n'est pas tout. En ce qui concerne les examens de la thyroïde, les experts scientifiques manifestent désormais leur volonté d'en réduire la portée et d'en diminuer la fréquence. Juste après l'accident nucléaire, les autorités de Fukushima ont refusé de distribuer des comprimés d'iode à la population. Il est désormais de leur devoir de prendre leurs responsabilités pour assurer le suivi médical de leurs administrés. Fin 2016, nous avons appris avec stupeur que le lycée départemental de Fukushima avait organisé une visite de la centrale accidentée. Depuis, cette visite de Fukushima a intégré le cursus de l'université du département. À Miharu, ma propre commune, un centre de création de l'environnement Fukushima a été inauguré en 2016. Il y a déjà eu 100 000 personnes qui sont venues les visiter, dont une majorité de jeunes. Parmi les commentaires qu'ils laissent, on peut lire « Je croyais que leur radioactivité était néfaste. Je suis heureux d'apprendre qu'elle est utile à la médecine et à la science. Avant, j'avais peur de la radioactivité. À présent, j'ai compris qu'elle existe dans la nature et que les aliments en contiennent, et ça m'a rassurée. » Cet enseignement est donc bien loin de faire comprendre la dangerosité des éléments radioactifs. Il ne propose pas aux habitants des moyens concrets de protection contre la contamination. C'est dans ce climat que des procès ont été intentés pour exiger de TEPCO le versement de dommages et intérêts et pour mettre en cause les erreurs des autorités administratives. Déjà, certains juges ont reconnu que le gouvernement japonais et TEPCO avaient négligé les mesures préventives qui s'imposaient contre le tsunami. Quant à la plainte déposée au pénal en 2012 par un groupe de 14 000 personnes, la première audience a eu lieu en juin 2017 à Tokyo. Les trois prévenus, d'anciens hauts dirigeants de TEPCO, ont plaidé non coupables. Mais les avocats des plaignants sont parvenus à rassembler de nombreuses preuves. Elles vont permettre de démontrer l'inaction caractérisée de TEPCO en matière de mesures préventives face au tsunami. La bataille historique contre les acteurs de l'industrie nucléaire est donc engagée désormais. Nous souhaitons vivement que ce procès ait une répercussion internationale. Nous avons commencé la pétition adressée au président du tribunal régional de Tokyo. Merci de nous aider en la signant au stand de Yosomono-net. L'hiver a été très rude cette année encore à Fukushima. Mais sous la terre gelée dorment des graines qui vont germer au printemps. N'oublions jamais de rêver à l'avènement d'une ère nouvelle, tout en restant fidèles à nos convictions. Et à l'image de la mer qui relie toutes les régions du monde, restons unis et ne manquons pas une occasion de renforcer nos liens de solidarité. Merci pour votre attention.
Thank you.
La France, avec ses 58 réacteurs en fonctionnement et toutes ses usines de la filière, est le pays le plus nucléarisé au monde par rapport à sa population. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a développé conjointement les armes nucléaires et la production d'électricité d'origine nucléaire. Aujourd'hui, elle poursuit toujours cette politique, avec la poursuite de nombreux projets ou la mise en place, comme les EPR à Flamanville, à Hinkley Point en Grande-Bretagne, à Olkiluoto en Finlande, ou les EPR chinois. Avec le projet, et bientôt à Jaitapur peut-être, puisque Macron y est en ce moment pour en faire la promotion. Avec le projet ITER, Astrid, avec la poursuite du retraitement à La Hague, avec la fabrication de combustible au plutonium, avec le MOX, avec la nouvelle piscine de combustible usé, peut-être à Belleville, à côté de chez moi ou ailleurs, l'enfouissement des déchets à 500 mètres sous terre à Bure, nos amis de Bure nous en parleront, et la modernisation de la bombe atomique. Toutes ces activités produisent des déchets radioactifs et aucune solution satisfaisante n'existe actuellement pour leur gestion à long terme. L'imbrication technique, économique et institutionnelle du nucléaire civil et du militaire a conduit à la politique du secret et à l'exclusion de fait du débat citoyen. L'opposition au nucléaire, quand elle n'est pas durement réprimée par la criminalisation des lanceurs d'alerte, voir ce qui arrive à nos camarades de Greenpeace très récemment, ou aux opposants comme à CIGEO il y a encore quelques jours. Donc cette opposition au nucléaire, quand elle n'est pas criminalisée, est considérée comme une atteinte à la grandeur de la France. Que l'on considère les acteurs industriels directs, EDF et Areva Orano, ou les entreprises et les organismes périphériques, le système électronucléaire français subit aujourd'hui la conjonction de crises profondes qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. En premier lieu, une crise technique et industrielle causée par le vieillissement des installations. 48 réacteurs sur les 58 auront dépassé cette année leurs 30 ans de fonctionnement. Le vieillissement donc est aussi la présence dans un grand nombre de réacteurs en fonctionnement, ainsi que dans l'EPR en construction, de pièces qui ne respectent pas les normes de sûreté, soit du fait d'erreurs dans les choix techniques, soit, ce qui est extrêmement grave, de falsification des dossiers de certification technique. Des centaines de pièces à des degrés divers de non-conformité ont été détectées. Cette crise technique et industrielle se double d'une crise de la sûreté nucléaire, car elle met en évidence de graves faiblesses dans la chaîne de contrôle. Elle dévoile un jeu dangereux de dissimulation ou de mensonge des acteurs industriels. Et le manque de réaction forte de la part des organismes et de l'autorité de sûreté qui devrait sanctionner tous ces manquements et qui, faute de moyens, certes, mais aussi de véritable autorité et de réelle indépendance, font le jeu des industriels eux-mêmes, soutenus par le pouvoir politique. S'ajoute à ces crises l'échec d'une stratégie industrielle de développement forcené et tout azimut, qui se traduit par une profonde crise financière. Areva n'est sauvée de la faillite que par l'injection de 7,5 milliards d'euros de fonds public, à nous, nos impôts, bon. Et une restructuration qui transfère à EDF son activité réacteur.
EDF, de son côté, voit sa dette brute passer de 28 milliards d'euros en 2007 à 75 milliards d'euros en 2016. Le cours de son action a baissé de 60 euros en 2007 à 9 euros en 2016. Tandis que ses investissements sur 10 ans, d'ici à 2025, atteindraient 165 milliards d'euros. Cette situation entraîne une crise sociale, car ces restructurations s'accompagnent de licenciements, de pressions sur les personnels et les travailleurs extérieurs, que ce soit des sous-traitants ou des intérimaires, de réduction des dépenses et du temps imparti aux travaux de maintenance. La conjonction de toutes ces crises, techniques, industrielles, de sûreté et financières, ne fait qu'accroître le risque d'accident. Malgré ces crises, le gouvernement et le ministre de l'écologie se refusent à programmer l'arrêt des réacteurs et repoussent de 10 ans l'application de l'insuffisante loi sur la transition énergétique pour la croissance verte adoptée en 2015, qui impose une réducteur de la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% aujourd'hui à 50% en 2025. Par nos mobilisations comme celle d'aujourd'hui et par la votation citoyenne initiée par la France insoumise, provoquons un débat et un courant d'opinion dans la société française qui force nos décideurs à prendre en compte la réalité de la faillite du nucléaire, les convertissent à la nécessité d'arrêter le nucléaire, énergie de destruction massive, et lancent un véritable plan d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables. Nucléaire rime avec santé, ou plutôt la non-santé. Nous avons Annie Thébaumoni, chercheure à l'INSERM, donc chercheur à l'INSERM et présidente de l'association Henri Pézara, Santé, Travail et Environnement. Annie a également créé et écrit un ouvrage qui s'appelle « La science asservie ». Donc Annie va nous parler de la situation sanitaire en France. Bonjour à tous. Merci de cette occasion à l'occasion de la commémoration de ce 7e anniversaire de Fukushima, d'avoir un moment de prise de conscience peut-être de la gravité de la situation sanitaire par rapport au nucléaire. En France, nous n'avons pas connu encore d'accident majeur, mais nous avons des accidents qui se sont produits et surtout une contamination radioactive insidieuse qui s'est installée en continu à partir de différentes sources. Les multiples formes de contamination radioactive sur les sites nucléaires civils et militaires, les déchets miniers de sites désormais fermés, les fuites et autres rejets des centrales et des centres de stockage. Chaque année, l'autorité de sûreté nucléaire recense sur le parc nucléaire plusieurs centaines d'incidents, dont certains s'accompagnent de rejets radioactifs dans l'environnement. Des autorisations de rejets radioactifs sont régulièrement octroyées aux différents sites nucléaires, entraînant une pollution radioactive de l'air et des rivières. La gestion des déchets nucléaires, le démantèlement des réacteurs en fin de vie, provoque une pollution radioactive chronique, tandis qu'un arrêté ministériel du 5 mai 2009 prévoit la dérogation possible du Code de la santé publique pour l'ajout de substances radioactives dans les biens de consommation. Il s'agit d'une augmentation lente et pernicieuse du niveau de radioactivité dite naturelle. Quant aux dizaines, voire centaines de milliers de travailleurs du nucléaire civil ou militaire, en particulier ceux qui interviennent dans la maintenance et le démantèlement, ils subissent une exposition chronique dangereuse dont les effets sont le plus souvent invisibles et différés dans le temps. Je veux parler des problèmes de cancer,
des problèmes de reproduction, des problèmes cardiaques, des problèmes immunitaires. Ces travailleurs sont invisibles, comme le sont tous les travailleurs du nucléaire au niveau planétaire. Irradiés autant qu'invisibles, les centaines de milliers de ceux qu'on appelle les liquidateurs de Tchernobyl et de Fukushima, au fil des jours, ils sacrifient leur santé et leur vie en tout anonymat pour contenir la radioactivité mortifère qui contamine bien au-delà des zones interdites. Aucun monument aux morts ne dira leur courage et leur abnégation face au cynisme de ceux qui les emploient. Irradiés autant qu'invisibles, les enfants de Tchernobyl et de Fukushima, mais aussi les enfants qui vivent à l'ombre de nos centrales. Les dosimètres que portent ceux de Tchernobyl et Fukushima, comme des talismans, ne les protègent d'aucun des maux de la radioactivité. Atteinte cardiaque précoce, leucémie, maladie de la thyroïde, altération de leur système immunitaire, cancer. Qui dira leur souffrance, mais aussi la douleur et le désespoir de leurs parents, impuissants à les en délivrer. Irradiés autant qu'invisibles, les millions de travailleurs sacrifiés, civils et militaires, souvent sous-traitants, intervenant dans les mines d'uranium, la fabrication du combustible, la maintenance et le démantèlement des sites de production nucléaire, la non-gestion des déchets, la fabrication et la maintenance des missiles, des sous-marins, des bombes et autres armes nucléaires. Travailleurs sacrifiés aux quatre coins de la planète, ils souffrent de maladies radio-induites, de cancers, leucémie, atteinte de la reproduction. Qui le sait, qui s'en préoccupe? Certainement pas les pouvoirs publics, certainement pas l'AIEA, certainement pas, malheureusement, l'OMS. Quelles réparations peuvent-ils attendre alors qu'exploitants et dirigeants politiques se complaisent dans l'évocation incantatoire du mythe mensonger de la dose tolérable? Tous atteints par la radioactivité, ils sont victimes sacrifiées de la représentation mensongère du nucléaire sans risque. Qui plaidera devant les juges pour la condamnation de ceux qui délibérément continuent d'ordonner cette mise en danger d'autrui par la radioactivité à l'échelle planétaire au nom de la puissance et du profit? Je voudrais évoquer ici les mensonges sur lesquels est construit ce mythe d'un nucléaire sans danger. Malgré Fukushima, malgré Tchernobyl, nos gouvernants, le lobby nucléaire, continuent à affirmer qu'on peut utiliser cette énergie. C'est faux, ils mentent. Le premier mensonge, c'est celui de la dose tolérable. Il n'y a pas de dose tolérable de la radioactivité. La radioactivité est dangereuse, même à très très faible dose, et les travailleurs le savent bien, mais on ne leur demande jamais, et on cache leurs maladies, leurs atteintes. Deuxième mensonge, vous voyez bien, il n'y a pas de risque. Pourquoi? Parce qu'ils rendent les travailleurs invisibles. Les liquidateurs de Tchernobyl et de Fukushima sont continuellement dispersés et on ne fait aucun suivi de leur santé. C'est le meilleur moyen, effectivement, pour ne pas voir. Je voudrais enfin évoquer une autre production de connaissances, celle à laquelle nous essayons de travailler, notamment dans l'association Henri Pézera, qui est une association qui a pour but de créer et faire vivre un réseau d'échanges, d'expériences et d'aide aux luttes sociales concernant la santé des personnes en lien avec le travail et l'environnement. Henri Pézera était convaincu que l'on ne peut pas séparer production de connaissances et action militante pour la santé, la vie, la justice, la dignité de tous ceux mis en péril par un développement économique dénué de tout respect de la vie humaine. C'est par une mise en réseau et la production de contre-pouvoirs entre mouvements citoyens, scientifiques non alignés, professionnels de la santé réellement impliqués aux côtés des victimes,
avocat, inspecteur du travail, journaliste d'investigation. Et nous avons actuellement, en matière de nucléaire, deux luttes importantes. L'une avec les sous-traitants, sur le versant de la reconnaissance des maladies professionnelles, donc de la mise en visibilité des maladies radioactives dues au travail de maintenance dans les centrales. Et une deuxième lutte, dans le nucléaire militaire cette fois, avec les travailleurs civils qui travaillent à l'île Longue à Brest, qui travaillent au montage des missiles et à la maintenance des sous-marins nucléaires. Nous souhaitons évidemment partager cette expérience avec tous ceux qui le souhaitent et par ce biais-là, briser l'invisibilité des victimes et remettre en cause le mythe d'un nucléaire sans risque. Je vous remercie. Merci Annie. Nous avons le comité de soutien à Bure, Paris, Île-de-France, qui va s'exprimer. Venez monter. Merde. En 2015, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, estime le volume des déchets nucléaires produits en France à 1,5 million de mètres cubes. Parmi ces déchets, environ 50 000 mètres cubes sont hautement radioactifs et resteront dangereux pendant des millions, voire des milliards d'années. D'ici quelques décennies à peine, l'ANDRA estime que ce volume sera nettement dépassé et atteindra les 80 000 mètres cubes. Et pendant ce temps, les réacteurs tournent. 50 000 mètres cubes, c'est le volume de déchets hautement radioactifs à Villongue, actuellement au site sur le site de La Hague, en Normandie, et celui de Marcoule, dans le sud de la France. 80 000 mètres cubes, c'est le volume de déchets que doit engloutir Cigéo, projet de centre industriel de stockage géologique, que l'ANDRA veut installer à Bure, dans la Meuse et la Haute-Marne. 80 000 mètres cubes de déchets qui doivent être envoyés par train et camion, avec tous les risques d'accidents que cela comporte, pour être enfouis à plus de 500 mètres sous terre pour des milliards d'années. À Bure ou ailleurs, il n'y aura pas d'enfouissement de déchets radioactifs. Malgré l'implantation des activités de l'ANDRA, d'EDF et d'AREVA sur les départements meusiens et haut-marnais, malgré les subventions publiques qui arrosent ces deux départements et la corruption de certaines et certains élus locaux, malgré la répression policière qui ne cesse de s'accroître sur place, la lutte s'organise à Bure, en France, en Allemagne et ailleurs depuis plus de 20 ans. Manifestations locales dès les années 1990, recours judiciaires multiples, soirées d'information et événements de sensibilisation. Existence, création d'une maison de résistance à Bure, achetée par les opposantes et opposants à Cigéo en 2004. Campagne d'action décentralisée, création de comités de soutien en France et ailleurs ces derniers mois. Et l'occupation du bois le Juc pendant plus d'un an et demi. C'est pour contester l'acquisition illégale de ce bois communal par l'ANDRA en 2015 et empêcher son défrichage partiel et la construction d'un mur en béton armé que ce bois était occupé par les opposantes au projet. Cette occupation a pris fin le 22 février dernier avec l'expulsion violente de ses occupantes par plus de 500 gendarmes. Ce jour-là, 32 personnes ont été interpellées. 7 d'entre elles ont été placées en garde à vue. 2 sont aujourd'hui incarcérées à la prison de Nancy dans l'attente de leur procès le 19 mars prochain. Aujourd'hui, les camions et les pelleteuses de l'ANDRA, protégés par les forces armées de l'État, ont repris leur va-et-vient dans le bois le Juc. Ces forces armées empêchent toute personne extérieure à l'ANDRA d'approcher ou de pénétrer dans le bois. Partout, la colère gronde. Les 3 et 4 mars derniers, plusieurs centaines de personnes venues soutenir la lutte sur place ont tenté, non véhiculées et non armées, d'installer une vigie à l'orée du bois pour surveiller les activités de l'ANDRA. La préfecture a interdit, sans succès, cette manifestation. Et par deux fois, les 500 gardes mobiles présents ont repoussé violemment l'installation de la vigie avec des grenades lacrymogènes et à coups de matraque, en menaçant d'utiliser leurs deux canons à eau. Certaines personnes ont été blessées,
d'autres placées en garde à vue, et deux sont passées en comparution immédiate. L'une des personnes l'a refusée. Elle passera en procès mercredi 4 avril. L'autre a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis, avec mise à l'épreuve pendant 1 an et interdiction de territoire en Meuse. Face à cette répression féroce, cherchant à isoler et à faire taire la contestation, nous, opposantes de tous bords, restons unis et continuons d'appeler à rejoindre la lutte à Bure et ailleurs. En Ile-de-France, la lutte s'organise. Il y a 6 mois, nous avons créé un comité de soutien à Bure en Ile-de-France qui se réunit un jeudi sur deux au centre social autogéré d'Ivry. Nous nous sommes donné pour but de soutenir la lutte et les personnes sur place. Nous organisons aussi des soirées d'information et des actions de pression contre l'ANDRA et ses soutiens politiques. En ce jour de commémoration de l'accident nucléaire survenu à Fukushima, nous appelons toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir la lutte contre CIGEO et l'industrie nucléaire à rejoindre le comité, à maintenir la pression sur l'ANDRA, individuellement ou collectivement, et à soutenir la lutte à Bure. Bon, vous avez vu, il y a une nouvelle race de militants à Bure. Depuis 3 ans, les jeunes sont venus en grand renfort. Nous, nous étions 2 militantes historiques et on est contente que la relève soit enfin arrivée. Nous, on n'a pas besoin de masques, on a nos rides. On n'a pas besoin de masques, on n'a pas préparé de texte non plus, mais on va improviser. Donc, tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Tout ce qu'ils ont dit, c'est vraiment vrai. Ils ont fait le résumé. Je voudrais conclure en disant que la lutte de Bure, c'est pas une affaire de Meusiens ni de Haut-Marnais, mais de toute la France, voire d'Europe. Parce que si ce bidule-là, il explose un jour, c'est tout le monde qui en fera les conséquences. Et les Parisiens en premier, par l'eau, la Seine sera forcément radioactive. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que Paris soit avec nous à Bure. Et le 16 juin, nous organisons une manifestation nationale. Un jour, le préfet nous a dit « Quand vous serez 10 000 dans la rue, on commencera à vous écouter. » Alors, cette fois-ci, j'espère qu'on va être 10 000. Donc, le 16 juin, tous à Bar-le-Duc. Moi, je voulais juste ajouter que si Bure a été choisi... Merci. Si Bure a été choisi par l'ANDRA, c'est parce que c'est un petit village. C'est vraiment un trou, c'est paumé, c'est difficile d'y aller. C'est sûr que c'est pas pratique, mais montrez-leur qu'ils ont eu tort. Et c'est à vous de vous déplacer, à te foncer et à venir à Bure, me leur prouver à l'ANDRA et au gouvernement qu'on n'enterre pas le dossier, on n'enterre pas plus que les déchets nucléaires, qu'on n'en veut pas. Voilà. Et donc, on compte tous sur vous le 16 juin. Et il n'y a pas d'opposants légaux et pas d'opposants illégaux. On est tous pareils. Et on est tous des tombeurs de murs. OK. Bon, je vous rappelle que nous avons installé des barnums pour que vous puissiez continuer à discuter avec les gens de Bure, si cela vous intéresse. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment très important que les Parisiens... Vous savez que la nappe phréatique de la Seine commence à Bure. Donc, je pense que nous, les Parisiens, on est concernés par la contamination à Bure. Et ceux qui ont encore pas fait la pétition photo, ils peuvent Il y a la pétition photo, ceux qui n'ont pas encore eu participé à la pétition photo, allez voir Irène, elle vous prend en photo comme Monsieur Hulot. Alors, nous allons aborder un autre point qui est aussi très important, c'est le nucléaire militaire. Avec Jean-Marie Matagne, président de l'association Action des citoyens pour le désarmement militaire. Militaire nucléaire. Si. Sortir du nucléaire, ce n'est pas seulement renoncer aux centrales du même nom et produire de l'électricité autrement. C'est aussi renoncer aux armes nucléaires. Le 25 janvier dernier, sur l'horloge de l'Apocalypse... Oui, c'est bon là ?
Donc je disais, le 25 janvier dernier, sur l'horloge de l'Apocalypse, qui symbolise le risque d'autodestruction de l'humanité, les savants atomistes ont annoncé minuit moins 2. D'après eux, depuis 1953, nous n'avons jamais été aussi près de la catastrophe qui risque d'anéantir l'humanité. Un tel pouvoir d'anéantissement est concentré entre les mains d'une dizaine de chefs d'État qui peuvent user à tout moment de leurs armes atomiques, sans procès, sans appel, exécuter leur sentence dans le quart d'heure qui suit et massacrer des millions de personnes. La France en dispose depuis 1960. Elle leur a consacré plus de 300 milliards d'euros, ou l'équivalent, et s'apprête à faire passer de 4 à 6 milliards d'euros par an d'ici 2025 ses dépenses pour les moderniser et concevoir ses bombes de 2080. Ceci alors que ces 300 bombes actuelles peuvent déjà faire 1 milliard de morts. Stricte suffisance selon nos stratèges. Et que 122 États de l'ONU ont voté le 7 juillet dernier le traité d'interdiction des armes nucléaires qui a valu à ICAN le prix Nobel de la paix. Cette politique bafoue les droits de l'homme. Une seule bombe atomique, disait Alain Perfit à Charles de Gaulle en 1962, je cite, une seule bombe atomique, ce sont des centaines de milliers de morts, des femmes, des enfants, des vieillards, carbonisés en 1/1000 de seconde, et des centaines de milliers d'autres mourant au cours des années suivantes dans des souffrances atroces. Et Perfit demandait à de Gaulle, n'est-ce pas un crime contre l'humanité? Eh bien oui, c'en est un. Une résolution de l'ONU de 1961 l'affirme catégoriquement. Il serait temps d'en tirer les conclusions. Cette politique est aussi contraire au traité de non-prolifération, le TNP, dont l'article 6 oblige les États nucléaires qui l'ont ratifié, comme la France, à, je cite, « poursuivre de bonne foi et mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace. Une obligation jamais respectée à ce jour. Cette politique est contraire à la Constitution française, qui place les droits de l'homme au-dessus de tout et impose leur respect, de même que celui des traités. Elle est contraire au bon sens, car il est illogique de défendre les valeurs républicaines, dont la fraternité, en menaçant de commettre des crimes contre l'humanité. Illogique de lier les intérêts vitaux de la France à l'emploi d'armes fatalement suicidaires contre un pays qui en aurait aussi. Illogique de prétendre garantir sa sécurité par ses armes tout en les interdisant aux autres. Illogique d'encourager ainsi leur prolifération tout en prétendant la combattre. Illogique de vouloir faire des économies et de gaspiller des milliards dans des engins de mort inutilisables contre d'autres États nucléaires, incapables de dissuader des terroristes et redoutables entre leurs mains si jamais ils parviennent à s'en procurer. Elle est enfin contraire à la démocratie, car le peuple français n'a jamais été consulté sur ses armes, alors que nous les finançons et qu'elles menacent notre survie. Nous sommes complices, malgré nous, de la préparation et de l'exécution éventuelle de crimes contre l'humanité, dont rien ne garantit que nous ne deviendrons pas nous aussi les victimes. En 1961, le président Kennedy déclarait à l'ONU « Aujourd'hui, chaque habitant de cette planète doit envisager le jour où elle cessera d'être habitable. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant vit sous une épée de Damoclès nucléaire suspendue à un fil qui peut être coupé à tout moment par accident, erreur de calcul ou geste de folie. Ces armes de guerre doivent être abolies avant qu'elles ne nous abolissent. Exigeons donc que la France s'engage activement pour l'interdiction et l'élimination complète des armes nucléaires. Mais
allez-vous dire. Comment imposer cette exigence à un gouvernement encore plus inflexible que M. Kim Jong-un ? Les associations regroupées au sein d'ICANN France appellent à exiger dès maintenant que la France ratifie le traité d'interdiction des armes nucléaires. D'autres, comme ACDN, réclament un référendum d'initiative parlementaire et citoyenne sur la participation de la France à leur abolition, conformément à l'article 6 du TNP qu'elle a signé. Cela mérite un débat que nous allons avoir dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, et en conclusion, sur cette belle place de la République, une chose est sûre, nous délivrer de l'épée de Damoclès atomique, ce sera renforcer à la fois, notre sécurité et notre liberté, dans le plein respect des droits de l'homme et de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Merci Jean-Marie. Et un dernier point en ce qui concerne la situation du nucléaire en France, dont vous pourrez aussi parler avec les responsables, c'est l'EPR à Flamanville. Tout le monde a entendu parler de l'EPR à Flamanville, une superbe machine que Macron veut aller vendre aux Indiens, aux Chinois, aux Anglais. Et le nôtre, il ne marche pas. Bon, Martial Château représente aujourd'hui Didier Angers, qui est donc Didier Angers, un des premiers militants nucléaires qui a créé le CRILAN du côté de Flamanville et qui donc continue à 80 ans, continue à se battre contre cette situation du nucléaire en France. Bien, mettre en service l'EPR, c'est prendre pour 60 ans de nucléaire. C'est un signe fort de refus de sortir du nucléaire, d'arrêter le nucléaire. Pourquoi ? Bien, ce sont des scandales d'État qui peuvent expliquer cette volonté de construire ce réacteur. D'abord, le scandale financier avec l'endettement d'Areva et celui d'EDF. Mais aussi les combines financières à l'origine du scandale technologique. C'est l'affaire d'Uramine et de l'achat d'une mine d'uranium sans uranium dans laquelle ont trempé Anne Lauvergeon, ancienne dirigeante d'Areva, et son mari Olivier Frick. Avant la dernière affaire des soudures, c'est encore aujourd'hui l'affaire des forges du Creusot et de la fabrication des fonds et couvercles des cuves destinées à l'EPR qui ont mis à jour forges achetées par Michel Yves Bolloré, le frère de l'hôte, 800 000 euros en 2003 et revendues en 2006 à Areva pour 170 millions. Les conséquences de cette opération financière douteuse ont abouti à la situation qu'on le connaît, des anomalies de concentration de carbone qui fragilisent l'acier de la cuve. Et ces aciers non conformes aux lois et réglementations fabriqués en 2005 sont aujourd'hui validés par les différentes commissions mises en place par l'ASN et l'État. L'EPR n'a été mis en œuvre en France qu'à des fins commerciales à l'international. Après Olkiluoto et la Chine, c'est un échec. Deux réacteurs ont été vendus par EDF à British Energy, sa filiale en Grande-Bretagne. Les négociations avec l'Inde piétinent encore et c'est heureux. J'espère qu'elles n'aboutiront pas dans 6 mois comme a prétendu Macron récemment. De nouveaux espoirs pour le pouvoir résident dans la vente à l'Arabie Saoudite qui, vous le savez, n'a ni pétrole ni soleil, mais aimerait avoir du nucléaire civil pour se doter ultérieurement du nucléaire militaire. La bombe sunnite face à celle en suspens de l'Iran chiite et à celle d'Israël dans un Moyen-Orient à risque, une des régions les plus chaudes de la planète. Le vrai carburant des nucléocrates, c'est le fric et le pouvoir. En France, l'État et le nucléaire ne forment qu'un tout aux tentations totalitaires. L'État est propriétaire des installations nucléaires CEA, Areva, EDF, Andra. L'IRSN et l'Autorité de sûreté nucléaire, officiellement indépendants, sont des organismes dont les dirigeants sont nommés par le pouvoir d'État. Le pouvoir politique est pénétré par les affidés et les représentants de l'industrie nucléaire, le dernier en date, celui du Premier ministre actuel Édouard Philippe, ancien directeur des affaires publiques d'Areva. Le pantouflage, passage des hauts fonctionnaires de la fonction publique au privé et vice-versa,
interdit dans d'autres pays européens et permis dans le nôtre. Les antinucléaires sous surveillance policière sont visés par un pouvoir autoritaire qui n'hésite pas à employer la force et à mutiler, comme il vient encore de le montrer à Bure, dont nous sommes solidaires. La raison voudrait que l'on privilégie la sûreté des populations, ici et ailleurs, et non la poursuite d'une industrie mortifère, que l'on stoppe la mise en service de la cuve de l'EPR prévue à l'origine pour fonctionner 60 ans. Si la foi irrationnelle dans le nucléaire devait continuer à nous être imposée, nous saurions en cas d'accident majeur qui en seraient les responsables, qui sont multiples. La direction de l'autorité de sûreté nucléaire, qui connaissant l'état des aciers du Creusot depuis 2005, est restée silencieuse et a donné un avis positif à la mise en service de l'EPR. Le gouvernement qui, en avril 2007, délivrait le décret d'autorisation de création pour 10 ans. Le Premier ministre Valls et son collègue Cazeneuve, qui fin 2015 ont autorisé la possibilité de déroger aux lois et règlements concernant les installations nucléaires de base sous pression. Le gouvernement d'Édouard Philippe, Nicolas Hulot, responsable de la transition écologique, qui cautionne la prolongation du nucléaire. Emmanuel Macron, qui envisage la nouvelle construction d'EPR. Autour de nous, l'inquiétude grandit devant ces risques prévisibles de catastrophes financières et accidentelles, même si elle ne se traduit pas assez visuellement ici et ailleurs. La force des nucléocrates, c'est le pouvoir d'État et le fric. Notre force réside dans notre nombre potentiel. Il faut l'utiliser. Prenons des initiatives. La lutte continue sous toutes les formes que vous saurez lui donner. Merci. Colline va vous parler de l'arrivée. Colline va vous parler de l'arrivée de Naoto Kan, ancien Premier ministre au Japon. Bonjour. Donc, nous avons une très bonne nouvelle parce que l'ancien Premier ministre en exercice au moment de la catastrophe de Fukushima, Monsieur Naoto Kan arrive demain pour une visite de 5 jours. Il va se diriger vers deux endroits emblématiques de la lutte antinucléaire. L'un, c'est à Strasbourg, près de Fessenheim. C'est un lieu aussi de Parlement européen. Et puis, et deuxième, c'est à Flamanville. Demain soir, il y aura l'avant-première d'un film qui s'appelle « Le couvercle de soleil » qui retrace les 5 premiers jours de l'accident de Fukushima. Et c'est une, malgré qu'il est un film fiction, mais qui retrace véridiquement ce qui s'est passé réellement pendant 5 premiers jours de l'accident. Et mardi, il va donner une conférence de presse à l'Assemblée nationale grâce au soutien de la France insoumise. Et puis, mercredi, ce sera au Parlement européen, grâce au soutien des Verts européens. On fera une conférence de presse et puis l'échange avec des représentants de la société civile, des associations qui ont lutté pour la fermeture de Fessenheim. Et les deux derniers jours, le 15 et 16 mars, il va à Flamanville. Et on fera aussi une projection de ce film. Et puis, on fera aussi une visite extérieure de chantier de UPR de Flamanville. Et puis, le dernier jour, il va visiter aussi autour de l'usine de la Hague, puisque Cotentin, c'est vraiment la convergence négative de nucléaire. Voilà. Donc, cette visite de 5 jours, nous espérons que ça nous donnerait des impacts positifs et une convergence pour la lutte antinucléaire en France ou dans le monde entier. Merci. Monsieur Naoto Kan était donc le ministre qui a dû gérer la crise, la catastrophe de Fukushima.
Il n'était pas un anti-nucléaire convaincu à ce moment-là. Il l'est devenu lors de la gestion de cette crise. Et si vous allez voir le film, vous comprendrez comment l'État est berné au moment d'une catastrophe. C'est TEPCO qui a géré et qui a mal géré et le politique n'a pas eu son mot à dire. Allez voir ce film, ça sera, c'est très, très, très informateur. Voilà. Ce qui peut arriver chez nous aussi, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Mélenchon, député de la France Insoumise, qui va vous parler de la votation citoyenne. Je ne voulais pas y croire, parce que ce qu'ils nous disaient était tellement alarmant que je me disais ils exagèrent. Jusqu'au jour où je suis allé visiter la centrale de Nogent. Nous sommes le seul pays au monde qui trouve le moyen de mettre une centrale nucléaire en amont du fleuve qui sert la capitale. Nous sommes le pays le plus nucléarisé au monde pour le nombre de personnes rapportées au nombre de réacteurs. Nous sommes donc face à un problème d'une ampleur d'autant plus grande que, premièrement, c'est un problème et, deuxièmement, beaucoup de monde ne veut pas reconnaître qu'il y a un problème, ne peut pas l'admettre, et par conséquent est conduit à prendre sans cesse et toujours davantage des décisions irresponsables, des décisions irrationnelles. J'admets qu'au point de départ, on ait pu se dire que c'était une solution technique et scientifique extraordinaire. L'époque, d'ailleurs, y portait beaucoup. On avait à l'époque une foi aveugle dans les sciences et la technique. On oubliait qu'elles sont porteuses d'un mode de vie, que les sciences et les techniques, portent des modes d'emploi qui, à leur tour, influencent les formes d'organisation de la société et de la pensée. Lorsque j'entends le président de la République dire que le nucléaire est la seule énergie propre, je suis partagé entre l'envie de rire et de me dire « mais cet homme-là, est-ce qu'il a lu un dossier sur la question ?» et une forme de crainte. Quelle décision va-t-il prendre sur la base d'un article premier pareil ? Il s'est remis au travail, le gars. D'autant que maintenant, il y a quelque chose que tout le monde sait. Nous sommes entrés officiellement depuis le dernier semestre de l'année 2016 dans ce qu'on appelle, parce que les géographes se sont entendus sur ce nom, l'Anthropocène, c'est-à-dire un âge géologique, pas politique, aussi politique, géologique, particulier qui a ce nom. Je sais que les scientifiques ont eu de nombreux débats pour situer le début de l'Anthropocène. Quand est-ce que c'est ? Quand les êtres humains, ces singes nus, qui charrient à eux tout seuls plus de gravats, de bouillasses, que tous les fleuves et tous les vents du monde, ont commencé à changer la composition de l'air. À l'époque industrielle, ou peut-être au tout début des activités humaines. Savez-vous, par exemple, que le grand génocide qui a été la conquête de l'Amérique du Sud s'est traduit par une variation de la quantité de CO2 dans l'air qui s'observe dans les carottes glaciaires. Nous avons donc la certitude totale maintenant, non discutée. Les êtres humains transforment leur environnement et ils le transforment plus vite qu'eux-mêmes ne sont capables de s'adapter à ces transformations. Ce sont des faits extrêmement importants qui doivent peser dans la réflexion politique et philosophique. Nous sommes entrés dans l'Anthropocène et l'une des caractéristiques physiques, je dis bien physiques, c'est qu'il apparaît sur la totalité de la surface de la Terre un produit qui ne s'y trouvait pas. Ce produit, ce sont les déchets radioactifs. D'abord, les déchets radioactifs
des centaines de tirs nucléaires faits à l'air libre. Ensuite, les déchets radioactifs qui résultent de l'énergie nucléaire. Quand on sait tout ça, on a du mal à comprendre pourquoi on fait Bure. Quand tout le monde sait qu'il y en a pour 10, 20, 30 000, 40 000 ans, et peut-être davantage avec ces déchets, comment peut-on avoir l'idée de les enfouir en pensant que pendant les 40 000 prochaines années, il n'y aura aucune espèce d'incident géologique qui viendrait à modifier, même si on avait un système absolument sûr, les données particulières de ce stockage à Bure. Pour ne pas parler des choses plus simples qui ont été mises en évidence, le danger d'incendie qui répandrait dans l'air des déchets radioactifs de tous côtés. Une fois qu'on sait tout ça, on devrait prendre les mesures qui vont pour sortir du nucléaire. Sortir du nucléaire, ce n'est pas faire injure à ceux qui l'ont créé, à ceux qui l'ont entretenu, souvent au péril de leur propre existence. Et encore à cette heure, il nous faut adresser un salut fraternel, amical, plein de cordialité à ces salariés qui, à Romans-sur-Isère, sont en grève depuis 40 jours pour qu'on cesse de les pressionner et qu'on leur permette de faire proprement leur travail de contrôleur. Mais j'ai dit il y a un instant, 30, 40 000 ans pour que ces déchets ultimes arrivent en fin de vie. Mais avant même d'y penser, on pourrait se demander si c'est raisonnable non seulement d'enterrer, mais de continuer à produire chaque année 1 200 tonnes de déchets nucléaires, dont l'État ne reconnaît que 43 tonnes parce que ce sont, d'après lui, des déchets ultimes. Mais c'est 1 200 tonnes. Et on peut se demander s'il est raisonnable de réduire sans cesse les budgets des recherches, de la recherche fondamentale. Parce que nous n'avons pas d'autre solution que de mettre beaucoup d'argent dans la recherche fondamentale pour que les chercheurs trouvent le moyen de refroidir les déchets, c'est-à-dire de ralentir et de stopper la radiation, puisque dans la nature, c'est quand même comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si on sera capable un jour de le faire, mais je suis certain qu'on doit essayer de le faire. Et qu'en essayant de le faire, sans doute, trouvera-t-on bien d'autres choses utiles et fera-t-on de grandes avancées de la recherche dans bien des domaines. La recherche fondamentale est nécessairement une recherche publique, parce que la recherche fondamentale ne peut avoir aucun objectif de rentabilité à court terme. Une fois de plus, on voit l'aberration du système capitaliste dans sa phase actuelle, hautement financiarisée, qui fixe des objectifs de rentabilité et de marchandisation pour tout, et qui dès lors introduit des cycles qui n'existent nulle part dans la nature. Le benchmarking à 3 mois dans les grandes entreprises, c'est peut-être bon, ce dont je doute, pour les grandes entreprises, car quelle stratégie peut-on faire à 3 mois? Mais ce qui est certain, c'est que ça n'a rien à voir avec les cycles de la nature, qui sont beaucoup plus longs, et les cycles de la réalité ultime dans laquelle nous participons, qui est la réalité matérielle. La recherche fondamentale est une obligation morale qui résulte directement des décisions erronées qui ont été prises, qu'il faut assumer. Il faut assumer que la situation est dangereuse et alors nous pourrons la maîtriser. C'est si nous ne l'assumons pas que nous ne maîtriserons rien et que nous sommes à la merci d'un accident pour lequel nous ne sommes pas préparés. Je fais toujours attention à ne pas noircir le tableau, à ne pas jouer sur l'angoisse et la peur qui tétanise l'esprit. Mais il faut bien de temps à autre que les choses soient dites. J'ai évoqué cette centrale en amont du fleuve de la région capitale. Je pourrais évoquer aussi le fait que l'essentiel des centrales nucléaires du pays sont installées dans la vallée du Rhône, où sont installées toutes les industries chimiques
et pétrolifère du pays, ce qui est un danger extraordinaire. Il faut que les dirigeants politiques assument ce danger les yeux ouverts. Et oui, j'en profite pour dire que je veux aussi saluer ceux qui, les premiers, ont amené cette question dans la politique, que sont les Verts, et ensuite Europe Écologie Les Verts, dont nous sommes tous débiteurs. Le nucléaire est une question politique, ce n'est pas une question technique. J'en viens à présent à un autre aspect qui est peu présent dans les discussions. On nous chante sans cesse que le nucléaire nous rend indépendants. Vous savez tous que ce n'est pas vrai. En tout cas, ici, tout le monde le sait. Pourquoi ? Parce que nous ne produisons pas un gramme d'uranium dans notre pays. Alors, c'est le moment de se demander d'où vient celui que nous utilisons. 7 à 8 000 tonnes par an du Niger et de l'Azerbaïdjan. La caractéristique d'une situation où vous êtes entièrement dépendant d'un fournisseur, c'est que vous ne pouvez plus décider. C'est pourquoi j'ai toujours dit que j'étais un indépendantiste. Je le suis pour moi-même et pour mon pays. C'est-à-dire que je veux pouvoir décider sans que quelqu'un me tienne à la gorge. Ne croyez pas que je sois en train de faire devant vous une figure de style. Je répète, vous tienne à la gorge. Quand un tyran comme Nur-Sultan Azerbaïev, secrétaire général du Parti communiste en 1984 et aujourd'hui président de son pays encore, peut se permettre de déguiser notre président de la République, c'était François Hollande, sans qu'il y trouve à redire, et peut se permettre de ridiculiser le Parlement français qui a adopté il y a 15 jours, moi ma voix, et celle de mon groupe, un accord de coopération privilégié avec des parlementaires qui se couvrent de ridicule en allant à la tribune dire que la situation évolue. Alors qu'il y a eu encore l'an passé 126 cas avérés de torture contre les opposants de Nazarbayev. Voilà une des conséquences. On n'est pas une nation indépendante quand on est obligé de se rouler par terre de cette façon pour obtenir son approvisionnement. De même, la présence des mines au Niger, non seulement compte tenu des problèmes qu'elle va poser et qu'elle pose aux populations qui environnent ces installations, a conduit l'an passé à 46 attaques. Ce qui signifie que comme c'est à la frontière avec le Mali, c'est une des justifications pour lesquelles on a déployé là-bas la force militaire que vous savez. Et qui naturellement ne viendra jamais à bout par des moyens militaires des problèmes qui se posent au Mali. Mais qui en attendant est prépositionné pour répliquer aux attaques dont fait l'objet les centres miniers. Bon, comme nous vous l'avions promis, donc il y aura maintenant des débats, si vous le souhaitez, dans les différents barnums, des débats donc sur les thématiques Flamanville, Bure, le nucléaire, vous avez le nucléaire militaire, vous avez les stands là-bas. Et donc n'hésitez pas à poser des questions ou aller écouter les prises de parole qu'il peut y avoir sur les thématiques qu'on a abordées là d'une façon un peu plus courte. Alors j'avais mon oncle qui est déjà décédé il y a 2 ans. Il était chercheur spécialiste en déchets nucléaires. Et il était professeur de l'université Berkeley à Californie. Alors, c'est un spécialiste de déchets nucléaires, donc il n'était pas contre nucléaire. Mais après Fukushima, j'ai posé tout de suite la question. Alors qu'est-ce que tu penses? Et lui, il a dit d'abord, tout de suite après, il a dit, d'après des informations que j'ai eues, ce n'est pas très grave. Mais une semaine plus tard, il a dit, il était choqué parce que
les informations n'étaient pas fournies et bah, il a découvert des vraies infos. Donc, et en plus, il habitait à Californie, donc l'analyse, d'après l'analyse de l'eau de mer. Alors, quelques mois plus tard, à Californie, l'eau irradiée est arrivée. Donc, il est devenu, vraiment, il a commencé à faire une démarche pour faire comprendre, et il a fait un peu partout, au Japon, en Corée, en Taïwan, où il y a des centres nucléaires. Et il disait que, en tant que spécialiste, il était chercheur pendant 35 ans, de déchets nucléaires. Il a dit, si vous voulez que les gens entendent, si je peux me permettre. Il m'a dit que 100% de sécurité, ça n'existe pas. Donc, spécialiste, essaie de diminuer la danger, taux de danger. Mais 100% de sécurité, ça n'existait pas. C'était quelqu'un vraiment qui connaissait vraiment bien. Et donc, et après, il a commencé à faire s'en sortir petit à petit et il a fait une conférence au Japon, en Corée, tout ça, mais chaque fois les peuples il était très très bien accueilli par le peuple, mais par contre le milieu de nucléaire c'était pas non et il disait que pourquoi lobby nucléaire bien sûr et il veut continuer à gagner de l'argent bien sûr. Et des spécialistes, des chercheurs, des gens qui s'occupent, qui travaillent pour ça. Mon oncle, il disait qu'ils ont peur de perdre de travail. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas arrêter. Mais il disait que ce n'est pas vrai. Et pour arrêter le centre nucléaire, et on a besoin de spécialistes. Donc, ils ne perdent pas le travail. Et donc c'est clair, mais on ne dit pas ça. Et moi je pense que arrêter de nucléaire, la centrale nucléaire, et peut-être le gouvernement au Japon aussi, un peu dire un peu le côté négatif d'arrêter tout ça parce que. Il y a consommation d'électricité, quand même, c'est important tout ça. Mais des spécialistes, des gens qui travaillent en ce moment pour le nucléaire et pour arrêter ce système-là, c'est pour le futur. Ce n'est pas négatif, c'est positif. Donc, je pense qu'il faut changer un peu, il faut être clair de dire que vraiment des gens qui travaillent actuellement et par exemple le feu CRM, il y a beaucoup de gens qui sont contre de fermeture. Mais fermer le feu CRM, ce n'est pas négatif, c'est positif. Et aussi pour le Japon, alors bon, centrale nucléaire, c'est moins cher que d'autres moyens d'électricité, mais une fois il y a l'accident très grave comme Fukushima, ça coûte beaucoup beaucoup plus cher, donc il faut savoir, et puis c'est sinistré et ils ne peuvent pas rentrer à la maison, et puis le gouvernement, il faut qu'est-ce que c'est l'État, c'est pour protéger la santé des peuples, des citoyens, donc il faut absolument arrêter ce système-là pour protéger la santé des citoyens. Donc, je pense que c'est ça. Et c'est vrai, comme vous dites, c'est pas parce qu'on arrêtera les centrales qu'on perdra, il y aura la perte de travail. Il y a plein de choses derrière, le démantèlement, on n'arrête pas une centrale comme ça non plus du jour au lendemain. Donc déjà, il y a de quoi faire. Et comme un jour, je disais à un jeune qui était électricien qui me disait « Ah là là, si vous arrêtez les centrales, j'ai plus de boulot. » J'ai dit « Ben non, que l'électricité sorte d'une plaque solaire ou de l'éolien, vous aurez du travail. » C'est après, dans une centrale, effectivement, après, il faudra baisser les activités. Il y aura des reconversions et on pourra effectivement, il y aura plein d'autres métiers qui vont rejaillir et qui vont permettre à des jeunes justement d'avoir des boulots, mais qui ne soient pas radioactifs, parce que c'est quand même triste de dire qu'on donne de l'emploi radioactif à notre population.
C'est super, ça. On crée de l'emploi radioactif. Vaudrait peut-être mieux ne pas en avoir, non, que de rendre les gens malades à travers leur travail. Et juste par rapport au Japon, il y a une semaine, Le Monde a publié un article qui était très intéressant sur l'évolution de la prise de conscience des politiques, y compris parmi des gens qui sont proches d'Abe, qui est un nationaliste pro-nucléaire. Il y a une évolution. Alors je vous pour ceux qui auraient mal écouté tout à l'heure, je dirais qu'il faut regarder Naoto Kan, qui était le premier ministre en poste au moment de la catastrophe, qui vient en France la semaine prochaine, dans la semaine qui vient. Il sera donc aux 7 Parnassiens pour la projection du film Le couvercle du soleil demain soir. N'hésitez pas à venir si vous êtes disponible. Ça peut être intéressant de lui poser des questions d'ailleurs sur la situation au Japon aujourd'hui et en particulier la capacité de sortir du Japon de sortir du nucléaire. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Veut dire quelque chose ? Le coût du nucléaire. Pour un kilowatt, on dépense combien d'argent pour le coût du le kilowattheure, si on mégawattheure qu'on raisonne un peu pour faire les EPR qu'on construit aujourd'hui, ce qui est l'accord qu'il y a eu avec le gouvernement britannique pour les Hinkley Point, c'est 110 euros du mégawattheure. Or, récemment, il y a eu un appel d'offres pour de l'éolien offshore en mer pour 500 mégawatts, c'est-à-dire l'équivalent d'une demi-centrale nucléaire. Le prix est aux alentours de 60-65 euros le mégawattheure, c'est-à-dire quasiment deux fois moins cher. La tendance est très nette, que ce soit en solaire, que ce soit en éolien, les prix n'arrêtent pas de diminuer, alors qu'au niveau du nucléaire, c'est l'inverse qui se produit. Le rafistolage qui est prévu par EDF des centrales, pour les faire fonctionner 10 ans de plus, il faut bien voir que c'est quand même une courte période, pour EDF, c'est 1 milliard par réacteur, pour la Cour des comptes, c'est 2. On sait ce que ça veut dire dans le nucléaire, ça veut dire que ce sera certainement plus de 2. Donc, de toute façon, arrêter et faudra donc démanteler ces centrales. C'est-à-dire que c'est une espèce de fuite en avant due à l'imprévision et au refus de prendre des décisions des gouvernements précédents. Et si celui actuellement, y compris avec Nicolas Hulot, fait la même chose, ça veut dire qu'à un moment donné, on risque d'être devant un mur énorme parce qu'on aura des centrales qui ne pourront plus fonctionner et on n'aura pas le remplacement.